C'est Pokémon 72, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons enfin sur notre Let's Play. La dernière fois, je vous avais montré ce que j'avais fait en live. Tout simplement, j'avais été sur le Let's Play en live. Et on avait fait l'usine à blé. Alors si vous n'avez pas vu, il y a la rediffusion, la dernière rediffusion de live qui est disponible. Donc allez la voir, et là je viens de me souvenir, je viens de passer ici et je me suis souvenu qu'on avait fait ça ici pour récolter le blé. Mais dès à présent ici, on peut hop, casser le blé comme ceci, voilà, et récupérer par exemple la moitié des graines. Et on va les planter ici, et l'autre moitié on va les mettre dans... tout simplement dans l'usine à blé qu'on avait fait. Et aujourd'hui les amis, on va faire la porte du comment ça s'appelle, la porte du Nether, vu qu'on l'avait enlevé dans les premiers épisodes. Du coup on avait besoin de ça. Je sais plus de quoi on avait besoin, de ce que j'avais fait. Hop, par contre je pense que le bouton, on va en avoir besoin. Qu'est-ce qu'on peut enlever? On peut enlever ça, le levier. Est-ce que j'ai encore le matériel pour c'est ça la question, on va aller voir là-bas. En tout cas les amis, notre let's play se porte bien pour le moment. Ça n'a pas bougé, c'est toujours au même endroit, tout ça. Ok, ok. Donc là, ne vous inquiétez pas, je suis sur la version de Windows 10 sur PC. Donc ne vous inquiétez pas si ça a changé, etc. Est-ce que notre système fonctionne avec toutes les mises à jour qu'il y a eu? Est-ce que ça refonctionne? Alors il y a toujours un problème de chunk ici. Ok, et là. Ok, ça fonctionne, et normalement, ici, voilà, notre portail il était là. Mais j'ai bien envie de faire un autre portail. Ok, donc notre portail il est ici. Mais on va le casser. Est-ce qu'on a le briquet? On n'a pas le briquet ici. On va le casser. Non, on va le laisser là, je pense que j'ai encore l'obsidienne. Et on va en faire un plus bas. Et normalement ça devrait être bon. Ici on devait continuer la tour, etc. Mais normalement, ce portail... Non, il n'y a rien derrière. Non, c'est une tour. Ok, on va en faire un dans notre salle à nous, plus bas, pour y accéder plus facilement en fait. Du coup on va descendre par là, ça va aller plus vite. Hop, je crois que je vais faire une cascade d'eau la prochaine fois pour descendre maximum plus vite. Hop, voilà. Ici non. Donc on va faire ça, je pense que j'ai le matériel là-bas. On avait ici les... Ok, les... Est-ce que c'est les distributeurs ça? Je ne sais pas. Il me faut des distributeurs, des je sais plus c'était quoi qu'il fallait. J'espère que j'ai tout dans le coffre redstone. Ah, ah c'est ici, ok. Dropper, distributeur, c'était ça. Il m'en fallait deux. Tout simplement, il me fallait des boutons. On n'a pas de boutons. Des boutons. On va faire ça. Est-ce que c'est... Non, c'est avec de la stone pure. Est-ce qu'on a de la stone pure? Je pense qu'on n'a pas de stone pure, tout simplement. Ça va être compliqué. Alors, est-ce qu'on a de la stone ici? Non, non plus. Bon, c'est pas grave. Ici, voilà, j'ai vu les hop, les blocs d'obsidienne. On en a 16 des blocs d'obsidienne. Et ça va être bon, je crois. Et déjà, il faut faire l'endroit pour faire la salle. Mais avant tout, ici, hop, on va mettre les graines. Hop, là-bas. Voilà. Et 1, 2, 3, 4, c'est parfait. On en a assez. Et voilà, et là, on avait fait ça en live. Donc, je vous invite à aller voir tout simplement... la rediffusion du live, j'avais fait ça vers la fin du live. Et donc je vous mettrai la fiche en haut à droite de votre écran pour aller voir la rediffusion du live. Alors ici j'ai vite fait commencer l'endroit, j'ai mis le plafond, j'ai un peu aménagé si vous voulez. On va casser ça, voilà. Donc on a fait quelques petites usines pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, si jamais vous venez de la rejoindre tout simplement. On a fait quelques petites usines comme ça, c'est pas encore des usines totalement automatiques, c'est juste pour remplir un peu le vide. Et là ici on va faire l'endroit pour le Nether tout simplement. Alors il faut que je ramène une table de craft en fait, c'est ça que j'étais occupé à penser. On va faire ça, on va prendre celle là hein. Hop, voilà. Est-ce que j'ai encore du bois? Escalier en sapin. Non, c'est... Il me faut du sapin en fait. Que j'ai pas. On ira en chercher après pour continuer le sol ici. Et si... Ok, déjà on va faire le portail. Donc là ça va être l'entrée de la... Ok, j'ai compris. On va faire ça, donc je vais creuser les amis la salle et je vous retrouve juste après pour commencer à construire le portail. Donc à tout de suite.
Alors les amis, la salle est construite comme vous pouvez le voir. J'ai fait une petite salle assez sympathique, assez grande pour pouvoir faire tout simplement le portail. Alors, hop, ici, avec les planches, on va continuer le plafond. Ma pioche est bientôt morte. Ah, il y a de l'eau. C'est pas très sympa. Hop, ok. Je ne sais pas d'où elle vient cette eau. On ira voir au-dessus après. Hop, voilà. Ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va mettre des escaliers en bois. Faire la terminaison tout simplement du plafond. On va mettre ces escaliers là, hop hop, comme ceci. Voilà, comme ça rend plus beau déjà. Ok, alors ici on a toujours la lampe. J'ai veillé que on est toujours la lampe, etc. Qu'il y a un mur et ça fonctionne plutôt pas mal. Du coup, on avait des escaliers. Est-ce qu'on donc les escaliers c'était comme ceci. Voilà, pour arriver au portail. Et le portail, normalement, il est comme ça dans le sol. Donc ici, comment c'est dans le sol? Est-ce qu'on... Alors attendez, hop, il faut creuser derrière. Voilà. Le portail. Alors, on va le mettre ici. Voilà. Après, on va le mettre sur les côtés. Comme ceci. Voilà. Et pareil ici. Et au-dessus. Là, donc 1, 2, 3, 3, comme ceci. Voilà. Alors, on peut le faire même plus petit, le portail. Non, là, comme ça, c'est bien symétrique. Ok. Alors, attendez, hop, ici, on avait les deux distributeurs qu'il faut placer. Voilà, pour activer le portail ou non. Ici, on aura, hop, les briques du Nether qu'on avait été chercher dans le Nether. Voilà. Comme ceci. Et alors attendez. Et alors normalement, hop, on va placer ça ici pour faire joli. Donc c'est plutôt carré, hein. Le plafond, on va le lever. Ouais, dans encore un étage, je crois. On va voir après ce qu'on va mettre. Comme ça, le portail a l'air plus rectangulaire et pas carré. Voilà. Comme ceci. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors attendez. Est-ce qu'on a encore des briques du Nether? Je ne sais pas. Pour mettre ça là. Et mettre des escaliers ici. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, je vais déjà faire le système de redstone. Que lorsqu'on appuie sur le bouton qui se trouvera. Est-ce que... Alors attendez, j'ai un petit problème niveau des boutons. On va faire quelque chose. Ça, ici, si on le décale sur le côté, voilà, et qu'on place le bouton juste ici. Ça serait plutôt pas mal. Ok. Et là, juste derrière, on met de la redstone. Voilà. Du coup. Ok, ça fonctionne. Ceci, ça fonctionne. Et ensuite, pour l'autre bouton, bah, on fait pareil. Sauf que le bouton, on va toujours le même au même endroit. On va le mettre là. Alors, j'ai pas de bouton par contre. Mais pour le système de redstone, on va. On va mettre une. Alors attendez, je vais faire ça et je vous retrouve juste après parce que j'ai un petit problème. Ok les amis, donc j'ai compris le système qui était ici que j'avais fait avant. Donc ici, celui-là, tranquille, il fonctionne. On va juste aller chercher le briquet pour pouvoir activer le portail. Alors, un briquet, il y a un briquet ici. Voilà. Et l'autre système, j'ai compris pourquoi ça ne fonctionne pas. Et le portail, on va l'agrandir aussi la prochaine fois. Donc ne vous inquiétez pas. On fera ça la prochaine fois. Ici, je vais casser ça. Hop.
Parce que là, c'est pas totalement ce que j'espérais. Il faut un plus grand portail, vu que j'avais fait ça la fois passée. Et du coup, on modifiera un peu ça, on modifiera un peu la salle. Mais en tout cas, c'est à peu près ce que je voulais faire. Du coup, ici, on va faire le sol. Donc, le sol pour arriver au portail, tout simplement. On fera ça à partir d'ici. Voilà. Et le sol, on va le faire en mélanger. Est-ce qu'on peut? On pourrait mélanger deux bois. Si ça le fait. Non, je sais pas trop. Je sais pas trop comment on va faire. Moi, je dirais qu'on va mettre plutôt de la pierre. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour le sol, tout simplement. Hop, en tout cas, on a déjà plus ou moins la forme du portail. Normalement, c'était ici. Voilà. Et normalement, il y a beaucoup de travail à faire. Oh, ok. À faire derrière, niveau de la redstone. Pour que ça s'active. Pour que ça s'active tout simplement directement. Et je vous l'avais fait tout simplement en tutoriel. Et donc, je me souviens plus. Je me souviens plus du tout comment c'était. Et donc, ce sera avec deux, comme ceci, une entrée de deux. Et à mon avis, ici. Ouais, ici, ce sera l'obsidienne. Alors, attendez. On va faire ça comme ça. Parce que ici, il va y avoir l'obsidienne. Et là, il faudra casser tout ça. Donc voilà les amis, je pense qu'aujourd'hui on a fait un petit peu, on a un peu parlé, je vous ai un peu expliqué, enfin je vais un peu repris tout simplement les vidéos sur le let's play. Hop, et hop, ouais, je pense que ça va être mieux comme ça. Et donc voilà, je vais juste essayer de finir à peu près la structure du portail, comme ça on aura fait au moins un peu quelque chose dans cet épisode, tout simplement. Hop, voilà, je pose des blocs. Normalement, c'était comme ça. Donc ici, je mets un bloc. Et qu'ici, on enlève. Ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Voilà. Voilà, c'est mieux. C'est déjà mieux. Ici, on l'active, c'est parfait. Ok. On appelle le pseudo, voilà. Et la prochaine fois, ce qu'on fera, c'est qu'on va. Hop. On va enlever ça ici. Voilà, donc ça, ce sera l'entrée. Une entrée de deux. On ira directement dans le portail. Est-ce que je laisse aussi grand? On verra, on verra. On verra. Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, en tout cas, je pense que c'est déjà pas mal. Et il faudra juste ce système ici que j'ai oublié de comment c'était pour pouvoir activer ça. C'est un système de comparateur, etc. J'irai voir dans mes précédentes vidéos. Et voilà, je vous dirai ça dans les commentaires dans le prochain épisode, tout simplement. J'arrive plus à parler. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a toujours ce système ici. Je vous montrerai ça juste après, hein. Hop, en fin de vidéo, comme ça. Vous voyez un peu comment ça fonctionne si jamais vous n'avez pas vu le live, mais n'hésitez pas à aller voir la rediffusion du live. Et moi déjà, je vous dis à la prochaine, c'était iPodGamer172. Allez, bah tout le monde, ciao!